Objectif, vous en mettre plein les mirettes et vous couper le souffle. Voltigeurs, illusionnistes, acrobates seront sur la scène du Casino Théâtre les 22-23 février prochains pour place au spectacle. Alors parmi les numéros de cabaret qui composeront cette quatrième édition, le Magic Show de Sophie Edelstein. Elle est illusionniste, directrice artistique du Cirque Pinder, mais aussi célèbre jurée de l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Bonsoir. Bonsoir. Alors très heureux de vous accueillir. Écoutez, avant... Je suis ravie d'être là moi aussi. Bah, c'est une première en plus de venir à Genève et de me produire à Genève. Bonheur pour tout le monde. Alors avant d'en pouvoir discuter de vous, de votre actualité, de votre spectacle, je propose de regarder quelques extraits du spectacle qui sera donné à la fin du mois à Genève. Sophie Edelstein, qu'est-ce qui vous a amené à l'illusionnisme? Parce qu'au départ, vous êtes une famille, une fille de la balle, comme on dit. Donc, vous travaillez avec les animaux. J'ai pendant 15 ans et j'ai eu un souci avec l'une d'elles qui est devenue jalouse. Et comme je suis une femme de défi, déjà des femmes dresseuses, il n'y en avait pas beaucoup. Et des femmes magiciennes, nous ne sommes pas nombreuses dans le monde. Donc je suis partie à Las Vegas, qui est un petit peu ma deuxième adresse, puisque j'ai beaucoup d'amis là-bas et j'ai un projet de spectacle aussi. Je me suis fait construire du matériel. Déjà, j'avais déjà vu des grands shows de Siegfried et Roy qui m'ont fait rêver. Et j'ai eu des femmes magiciennes, il n'y en a pas beaucoup. On utilise toujours des jeunes et toutes frêles danseuses, et ben moi je vais me prendre des beaux garçons bien musclés. Pas de regret pour les animaux? Ah, mais pas du tout, pas du tout. Je crois que j'ai gagné au champ. C'est plus sympa, les hommes musclés. C'est très sympa, je suis très bien entourée. Vous cherchez quoi dans ce spectacle? Finalement, c'est impressionnant. La magie, c'est aussi très énervant parce qu'on a beau regarder vos mains. Mais vous l'avez dit justement, j'aime énerver les gens. Quand on me dit, mais Sophie, mais de où ils sortent tous ces garçons? Parce que c'est pas des petits modèles. Mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Donc voilà, quand les gens sont bluffés, c'est ce qui me plaît moi aussi. Et puis j'aime la scène, j'aime la magie, j'aime les grandes illusions. Et là, donc, j'aimerais quand même préciser qu'on va être sur Genève, donc Casino Théâtre, un vendredi, donc le vendredi 22 et le samedi 23. Donc ça laisse déjà avec plus de temps. Avec d'autres artistes. Il y a des numéros extraordinaires. Il y a des contorsionnistes, il y a des numéros d'équilibre, il y a de la comédie, il y a des danseurs, des danseuses, du jonglage. Il y a vraiment un spectacle pour tous. C'est un spectacle familial. Il y a du danger avec... Justement, vous me tendez la perche, je la saisis. On parle du danger illusionniste. On a vu sur les images là. Ça peut devenir dangereux aussi, la magie. Ouais. Alors, il y a des pieux qui tombent. Alors, bizarrement, vous devez transpercer, vous l'êtes pas du tout. Alors, on sait. On connaît les jeux de miroir, etc. Mais non, il y a cette tradition. Vous dites jamais les trucs. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais non, c'est comme si on allait dire aux enfants. Non, mais une fois. Vous savez garder un secret? Alors, c'est vraiment. Je vais vraiment peut-être le faire que pour vous. Hein. Alors, vous êtes gentil. Vous savez vraiment garder les secrets? Ah, pas de problème. On est 12 millions devant l'antenne, mais c'est entre nous. Mais moi aussi, je me le garde, mon secret. Donc, moi, je vous invite à venir justement voir ce spectacle et de venir voir et de me dire si vous avez été bluffé. Alors, vous savez que je suis aussi membre du jury de La France a un incroyable talent. Donc là, venez, j'invite les gens donc venir voir ce spectacle et de venir avec des buzzers et on verra si on a des croix rouges qui vont s'installer. Vous craignez pas les buzzers, vous en avez pas dit du souvent. Tout. Vous savez, moi je suis une femme aussi, je suis une artiste où je dis que les critiques c'est ce qui fait évoluer et je suis la première à écouter les critiques justement parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on n'a pas la science infuse et c'est comme ça qu'on évolue dans notre milieu. Alors revenons justement à cette émission sur M6, La France a un incroyable talent, une émission qui est née en Grande-Bretagne, se fera aux États-Unis. Tout à fait, America's Got Talent. Au fond, question banale. Je sais que c'est très regardé en Suisse. Alors oui, gros succès à l'audimat, effectivement. Vous y allez pourquoi? Écoutez, on est venu me chercher. Vous recrutez, c'est des gens... Bien sûr que je recrute. Et d'ailleurs, j'espère que Fred Ferex, qui est le producteur du spectacle, justement, place au spectacle, va prendre des artistes pour l'année prochaine, pour sa cinquième édition. Parce que justement, il y a des talents. Je veux dire, c'est une émission que je soutiens depuis le début. Pourquoi? Parce que c'est un superbe tremplin pour les gens qui n'ont pas accès à la télévision, qui n'ont pas cette visibilité. Il faut savoir maintenant que en même temps, tous les professionnels regardent l'émission et ils font comme moi, ils font leur petit marché. Mais en même temps, c'est un produit qui est assez formaté. Formaté, pas du tout. Mais nous, les membres du jury, on n'est pas formatés. Ça, on l'a bien vu, mais bon, vous avez des numéros extraordinaires, que ce soit danse, de chant, du jeunisme. Mais c'est ce qui fait. À côté de ça, vous avez des gens qui effectuent le beau Danube bleu avec des flatulences. Ça vous gêne? Vous n'avez pas l'impression?
moment donné de... Citez-moi, c'est le melting pot de tout ce qui est art visuel. Et donc, on va passer d'un dresseur d'animaux à un chanteur, à un autre univers, ou à un transformiste, à un illusionniste, à un comique. Donc, c'est pour ça, je veux dire, c'est vraiment un spectacle qui est riche. Et moi, personnellement, je vous dis, je fais mon marché aussi. Il y a certaines disciplines où j'étais un petit peu plus sceptique, et j'ai dit, bah non, ça marche. Et il y a des artistes, bien sûr, chaque année, voilà. Je prends des artistes que je fais tourner. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur ce plateau. C'est déjà si court. C'est déjà si court. Je vous buzz, mais ça sera pour vous encore une prochaine fois. Alors moi, je vous donne rendez-vous. Place 22, au spectacle, 23 février, le vendredi et le samedi, le 22 et le 23 Casino février. Théâtre pour le spectacle, le Magic Show, c'est votre spectacle. Et place au spectacle, 4e édition. Merci beaucoup, Stéphane Edelstein. Merci beaucoup.